Coucou les Tilou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer mon premier savon sans soude. Je vais vous faire plusieurs vidéos parce que j'ai plusieurs recettes qui m'ont séduite et que j'ai envie de vous partager pour que vous puissiez à votre tour faire vos propres savons. Et là, l'avantage, contrairement au savon que je vous ai proposé il y a maintenant au moins peut-être plus d'un an, je pense, que je fais en fait avec de la soude caustique, qui est donc assez dangereux. Et d'ailleurs, dans ma vidéo, je ne me suis pas suffisamment protégée. Donc, à chaque fois que vous utilisez de la soude, il faut absolument ouvrir tout. Si vous ne le faites pas dehors, il faut ouvrir toutes les fenêtres, toutes les portes pour que l'air puisse circuler. Un masque pour ne pas respirer directement la soude et ce que ça dégage. Des lunettes, pareil, pour vous protéger les yeux. Et des gants, mais pas des gants comme j'avais mis. Enfin bref, moi j'avais tout faux et je m'excuse encore. Je me suis excusée dans les commentaires. Voilà, faites pas comme moi sur les protections. Depuis, je me suis équipée et j'ai ce qu'il faut. Mais donc, pour éviter aussi ce souci-là et pour aussi, je me disais que sans soude, ce qui est bien, pour moi, il y a deux choses qui sont top comme raison. C'est que tu peux utiliser tout de suite le savon. T'as pas besoin d'attendre que la soude, eh bien, s'évapore et donc bah, suffisamment de temps. Après, c'est vrai qu'avec la soude, les savons en général durent beaucoup plus longtemps, fondent beaucoup moins vite avec cette soude-là en fait. Donc si par exemple le savon a été fait 3 mois avant, c'est vrai que le savon dure vraiment plus longtemps que là le savon que je vais vous proposer. Mais l'avantage également, c'est que d'une, vous pouvez l'utiliser tout de suite, même si ça dure un petit peu moins longtemps, bah ça marche quand même. Et de deux, vous pouvez le faire en famille avec vos enfants. Donc ça évite que bah, pour des personnes qui vivent tout le temps avec leurs enfants, par exemple, je sais pas moi, vous êtes avec un bébé, donc il va pas à l'école et vous n'avez pas vraiment le temps, bah, finalement ça va pas être dangereux pour lui, pour le fait qu'il respire, si jamais il touche des ingrédients, voilà. Donc c'est vrai que c'est un gros plus, je trouve, de ne pas avoir de soude. Pour pouvoir le faire en famille et l'utiliser tout de suite. Mais je ne n'éradique surtout pas les savons avec de la soude. Je vais continuer à en faire. Je vais faire un peu les deux. Mais voilà, ça me sauve aussi parfois pour l'utiliser tout de suite. Donc ben, on va commencer tout de suite avec ce savon que je vais vous proposer aujourd'hui avec du miel. J'espère qu'il va vous plaire. J'espère que vous allez essayer. Et donc ben, c'est parti, on commence. Donc alors moi, je vais utiliser un bol chauffant que j'ai acheté sur Aromazone. C'est un peu mon indispensable. Je trouve que c'est hyper bien. Je l'ai utilisé là juste pour vous faire des petits shampoings solides qui sont juste ici, que j'ai pas encore démoulé. Donc là, je vais faire mes savons à côté. Ça va être super. Donc premier ingrédient que vous allez avoir besoin, c'est une base savon. Donc là, moi que je trouve sur Aromazone sans palme et l'autre base savon blanche à l'aloe vera. Je ne sais pas si vous allez bien voir, sinon je vous mettrai des photos. Donc voilà. Donc celui-là, il n'y en a quasiment plus. Il vous en faudra pour un petit savon comme ceci 45 grammes. Voilà, donc c'est des petits savons. Et sinon, bah, bien sûr, vous doublez les proportions si jamais vous voulez faire des gros savons. Donc c'est parti. Moi, les 45 grammes, ce sont dans mon bol chauffant. Donc j'allume le bol. Donc on va attendre. Donc ça prend un peu de temps, faut être patient. Et donc pendant le moment où ça va fondre cette base, on va avoir besoin après d'une cuillère à soupe de miel. Donc là, le miel, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez, parce que le miel, c'est quand même hyper bien. Ça, le miel, ça purifie et ça nourrit, ça hydrate. Donc moi, bien sûr, il y a les miels de mon conjoint qui est apiculteur. Donc vous pouvez retrouver les miels, je vous les mets juste en barre d'infos sur le site Utip où vous pouvez nous les acheter. Donc nous, on a du miel de forêt, on va avoir du miel de printemps, on va avoir du miel d'acacia, de toutes fleurs d'été et de sarrasin. Et là, moi, donc ça, c'est pas le miel de mon conjoint, mais il y a aussi du miel de thym qui est pas mal aussi à mettre pour dans nos préparations. Donc là, moi, j'ai choisi de mettre du miel d'été tout simplement parce que bah, il est bien, 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 pas du miel d'été, du miel de thym, parce qu'il est bien entamé en fait. Et ceux-là sont pas encore ouverts, donc bon, ça se perd pas le miel. Mais en attendant, je préfère utiliser du miel qui est déjà ouvert. Et donc, on va utiliser le miel de thym. Attention, on fait concurrence à mon chéri, mais en même temps, nous, on n'a pas trop de concurrence. On ne fait pas de thym chez nous, bien sûr. Donc voilà, là, c'est d'origine Espagne. Je l'ai acheté en Biocoop. Donc, pour le moment, on va utiliser celui-là. Voilà. Donc là, ça est en train de fondre petit à petit.
Et ça, c'est en fantaisie, mais c'est fait pour avoir aussi des jolis savons, c'est toujours agréable. De la petite poudre de mica, en fait, orange. Voilà. Tac. Je sais pas si vous allez bien voir encore une fois, mais ça permet d'avoir des jolis savons. Donc c'est fait avec des minerais bruts. Hein, voilà, donc je les achète également sur Aromazone. Vous pouvez l'acheter un peu partout ça. Et en soi, pour avoir des beaux savons de couleur, vous pouvez utiliser n'importe quelle poudre. En fait, vous pouvez très bien utiliser même du charbon pour avoir des beaux savons noirs, ou alors de l'argile, du rasou. Voilà, donc ça c'est à vous de choisir. Voilà, aujourd'hui je vais mettre un petit peu de mica orange. Alors, une fois que c'est bien 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 fondu, vous allez pouvoir prendre votre cuillère à soupe et mettre une cuillère à soupe de miel. Hop, comme ceci. Vous laissez fondre, vous mettez un petit peu de mica si vous avez choisi d'en mettre. Alors, il n'y en a pas besoin de 10 000, hein. Vous en mettez un petit peu. Une demi-cuillère à café. Vous mélangez bien. Et là, votre savon est prêt. Ça fait un joli savon orange, vous voyez. Et là, votre savon est prêt. On va pouvoir le déposer. On prend avec le petit bec verseur. C'est parfait. Et là, on peut le mettre, par exemple, dans la petite fleur. Et quand on s'appelle Nina, on en met partout parce qu'on regarde la caméra et on regarde pas le savon. Et je vais vous en proposer d'autres. Donc restez connectés et activez la petite cloche juste en bas pour pouvoir avoir toutes les notifications sur mes vidéos. J'en sors tous les lundis, mercredis et vendredis. Donc pour ne pas en louper, activez cette cloche. Mettez-moi un petit pouce bleu si la recette vous a plu. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis partagez-la parce que ça peut certainement en faire profiter d'autres personnes. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous les filous.